quelques semaines après la mort de DJ Arafat survenue le lundi 12 août 2019 suite à un accident de moto, deux jeunes gens qui s'autoproclament sosies du Zeus d'Afrique se mènent une farouche concurrence sur la toile. Etimo le formateur et Dashi Junior, les sosies de DJ Arafat. Si après la mort du créateur du coupé décalé, Stéphane Doucouré alias Douk Saga, le dénommé Stéphane Saga ou encore Saga Junior s'est imposé comme l'unique sosie du président de la G7 parisienne, la réalité est tout autre pour l'après DJ Arafat. En effet, après la mort brusque du boss de la Yorgang, plusieurs individus se sont autoproclamés sosies du déchiquant, mais les deux qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu, sont incontestablement Etimo le formateur et Dashi Junior, qui se livrent une concurrence farouche en s'envoyant régulièrement des pics sur les réseaux sociaux. Pour Dashi Junior, s'autoproclamer sosie de DJ Arafat signifie qu'il faudrait avoir de nombreux traits de ressemblance avec le défunt artiste, que ce soit au niveau du physique qu'au niveau de la capacité à chanter exactement comme l'artiste. À cet effet, il s'est présenté dans une vidéo diffusée sur le web avec la toute dernière coiffure d'Arafat qu'il a arborée avant sa mort et a parfaitement repris un morceau qui, selon lui, est la plus difficile des chansons d'Arafat DJ, défiant ainsi son principal concurrent Etimo le formateur. Cette vidéo qui est devenue virale sur la toile, a suscité de nombreux commentaires positifs à l'endroit de Dashi Junior. Franchement, ce sosie est à prendre au sérieux. Au-delà de sa ressemblance frappante avec Arafat, il a vraiment du talent, a commenté un internaute. De son côté, Etimo le formateur stipule qu'être un sosie de DJ Arafat ne signifie pas qu'il faut forcément reprendre les mêmes deux riffs que ce dernier. Ce n'est pas parce qu'un artiste a parlé de sexe dans sa chanson que tu vas reprendre la même chose parce que tu es son sosie. Moi, je fais la promotion des valeurs positives du déchiquant, le courage, la détermination et la rage de vaincre, a soutenu Etimo dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.